Donc bonsoir à tous, je m'appelle Aurélien, je suis le rapporteur de la belle équipe numéro 34 avec laquelle on a eu la chance de travailler. Donc en fait nous on a un petit projet un peu différent du vôtre parce qu'en fait on s'est dit pour soigner et aider à soigner les patients, il fallait qu'on donne un coup de pouce bienveillant à l'ensemble des startups. Et alors on s'est dit il faut qu'on réponde à une question. Et cette question c'est comment rendre vraiment accessible et universelle la télémédecine. On s'est dit que finalement ce qui était essentiel dans la prise en charge d'un patient, c'était déjà permettre qu'il puisse communiquer avec son médecin le plus facilement possible. Alors, on a réfléchi avec une équipe pluridisciplinaire, bienveillante et stimulante, et on a décidé de vous livrer une note de synthèse et de recommandation sur la stratégie à adopter si on veut faire de la télémédecine, et ainsi qu'une boîte à outils plug and play avec des outils prêts à l'emploi et des recommandations sur le développement, les dernières technologies, le design et l'ergonomie pour rendre les choses attractives et intuitives, et aussi des recommandations sur la culture et les usages chez les médecins. Mais on ne s'est pas arrêté là, parce qu'on a décidé de donner corps à cet état de l'art, et on a fait des propositions créatives, et on a fait une preuve de faisabilité, et comme on est très généreux, on le diffuse gratuitement et librement sur le site d'Alsace Santé, et on vous invite à suivre le flux Twitter pour récupérer le lien cette semaine. Alors, voilà une source d'inspiration. Les designers ont beaucoup travaillé. Voilà, on a eu la chance de pouvoir avoir un acteur de cinéma qui a pu participer. Mais sinon, voilà, on vous propose des illustrations et des bonnes inspirations. Et comme on ne veut pas s'arrêter là, on vous propose de venir participer à comment nous, on imagine la télémédecine, en vous connectant tous ceux qui ont un poste informatique sur cette adresse-là, en prenant bien soin de couper le son avant. Voilà comment on imagine et comment on invente la télémédecine d'aujourd'hui. Voilà, sans installation, sans plugin, avec tout navigateur. Voilà, les premiers nous rejoignent. On fait une communication HD de façon très libre. Voilà, connectez-vous. C'est disponible depuis tout support de téléphone, y compris les smartphones. Voilà. On a la possibilité de pouvoir partager son écran. Et tout le monde est en mesure de pouvoir parler avec tout le monde. On facilite, grâce à ça, la communication entre le patient, ses médecins et les professionnels de santé entre eux. En espérant que ça vous donne un bon coup de pouce, suivez-nous sur Twitter pour pouvoir récupérer cette publication. Merci à tous. Merci.